Voici Théo, un individu banal. Il a emmagasiné des connaissances tout au long de sa vie. C'est un individu solo, une personne qui n'a pas besoin d'aide extérieure pour restituer ce qu'il connaît. L'individu plus s'oppose au concept de l'individu solo. Théo a l'habitude de regarder son téléphone et peut y rencontrer des faits d'actualité. Il utilise son environnement pour acquérir des connaissances. Cette extension de connaissances dont bénéficie Théo peut être due à ses outils, ses ressources ou encore ses proches. Tout ceci fait partie de l'individu plus. Mais il ne va pas garder ses connaissances pour lui tout seul. Il va les partager avec ses amis et devenir une de leurs sources de savoir. Théo et ses proches vont mutuellement être tuteurs de chacun. Le but de ce concept est de ne plus se concentrer sur la connaissance personnelle, mais sur la connaissance partagée. Enfin, c'est ce que dit David Perkins. To my brain.